Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Namasté, très cher Scorpion. Me revoilà pour la vidéo des Scorpions pour l'année 2024. Alors tu peux être ton signe astrologique en solaire Scorpion, lunaire Scorpion, ascendant Scorpion également. Nœud nord en scorpion. Nœud sud, enfin, si t'as du scorpion et t'as envie de regarder, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue. C'est Sarah, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je viens partager des vidéos avec bienveillance et beaucoup de joie. La première chose qu'on va faire pour les scorpions, c'est super intéressant l'énergie en fait qui s'est mise en place pour le scorpion dans la préparation des choses. Il y a quelque chose j'ai l'impression d'être portée cette année 2024 à faire les choses. C'est comme si vous allez faire les choses, comment expliquer, sans savoir pourquoi vous les faites, mais c'est pas. Et en fait, il y a un sens à la fin. C'est comme si, un exemple, vous commencez votre journée, vous avez décidé, moi je sais pas, d'intégrer des choses dans votre journée. Et en fait, ce que vous avez intégré, c'est l'énergie qui vous pousse dans l'intégration des choses parce qu'à la fin de la journée, finalement, vous dites, mais heureusement que j'ai fait ça. Mais tu vois, il y a un truc comme ça dans l'énergie où j'ai l'impression que t'es porté cette année. T'es porté vers les bonnes directions, vers la bonne direction, les bonnes directions. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Pas qu'une seule voie. Il y a plusieurs domaines aussi, tu vois. Mais c'est comme si, voilà, vous êtes poussé par l'énergie. L'énergie est derrière vous. Elle vous pousse un peu comme si vous êtes soutenu. Voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais. Soutenu. Soutenu par l'énergie. On va regarder dans le petit livret. Un petit peu, on va faire de la lecture. Voilà. On va lire un peu. Ici, dans le petit livret astrologie, la blessure psychologique et affective du scorpion. Alors, et ensuite, le don de guérison du scorpion. Donc, bam, bam, bam. La blessure du scorpion se situe dans une éternelle insatisfaction ainsi que dans un besoin viscéral de perfection. Cette quête pousse tout naturellement au changement et à la transformation constante. Desquels le scorpion pourrait devenir la première victime. En effet, il pourra sans cesse commencer, créer et détruire, pour ensuite recommencer de zéro. Cela pourra se répercuter sur sa vie professionnelle par des changements réguliers de métier ou de multiples créations d'entreprises. Mais sa vie sentimentale n'en sera pas épargnée. Excusez-moi, j'arrive. N'en sera pas épargnée. Pour autant, très souvent, le scorpion connaît plusieurs mariages et divorces qui presque systématiquement s'opèrent dans la douleur et la peine. On constate également un besoin de domination qui ne s'exprimera pas toujours d'une façon bienveillante. La sexualité est un élément clé de l'existence du scorpion. Il vit chaque instant de ses ébats avec passion et frénésie. Ce besoin viscéral doit être assouvi et satisfait. Plus que pour aucun autre signe. Enfin, le scorpion à la mort et aux sciences occultes peuvent devenir obsessionnels. Enfin, le scorpion à la mort et aux sciences occultes peut devenir obsessionnel. Une forme de violence ou de domination a pu être subie durant l'enfance, ayant alors modifié les valeurs intrinsèques de la morale traditionnelle. Eh ben, c'est génial! J'adore les scorpions. J'adore les scorpions dans l'élément que vous êtes. Incroyablement incroyable. Le don de guérison, pardon, le don de guérison du scorpion. Si le scorpion. Je suis désolée. Ouh. Si le scorpion éprouve un besoin constant de fin et de début,
Il sera également fasciné par les mystères de la vie, en particulier tout ce qui touche de près ou de loin à la mort. Spiritisme, contact avec l'au-delà et sciences occultes seront des activités bénéfiques. On note également des prédispositions naturelles à la médiumnité. L'acte sexuel sera quant à lui un véritable exutoire durant lequel le scorpion pourra totalement se régénérer. La question du scorpion, jusqu'où ta quête de perfection pourrait-elle te mener? Oui, très bien. Merveilleux. Merveilleux. C'est très intéressant. Je ne savais pas tout ça. J'apprends avec vous. C'est super. C'est super intéressant, du moins, même pour vous. Voilà. Hein. Cela étant dit, est-ce qu'il y a autre chose qui a envie d'être dit pour le scorpion? Donc, bien sûr, vous êtes l'élément eau, votre astre, c'est Pluton. Alors, Pluton, d'autres disent que Mars aussi, bon, prenez les deux, hein, soyez gourmands. le verbe, c'est je désire, et le principe du scorpion, c'est régénération. Les mots-clés, transformation, régénération, destruction, renaissance. Voilà quoi. Ok. Et ben voilà. C'est génial, les scorpions. Comment ça va se passer? Donc, je suis désolée, je suis encore sur la lecture du scorpion qui est super intéressante, vu que... en fait, vous êtes des passionnés, finalement. Vous êtes des passionnés, peut-être incompris dans votre passion, et peut-être que vous-même, vous ne comprenez pas dans ce besoin continuel de faire revivre cette passion et de la détruire et de la faire vivre. Mais il y a beaucoup de souffrance aussi. Bon, c'est mon côté un peu thérapeute où je suis en train d'analyser le truc. J'ai pas à faire ça. Vous êtes merveilleux, les scorpions. Vous êtes super. Donc c'est lecture par Marc de Café pour l'année 2024. Il y a une carte principale sur l'énergie principale de l'année. Et puis c'est vrai que j'avais fait un truc pour les autres signes, enfin pour l'autre signe. Et je vais réessayer avec ce signe-là, où je vais recevoir en canalisant ce que je peux recevoir pour votre année 2024. Ok. On va voir ce qui en sort. Ok. Pour les chers scorpions. Que vous soyez ascendant, lune ou soleil, scorpion. Vous êtes tous les mêmes. Alors moi, je vois comme une danse début d'année 2024, une danse, c'est pas girouette, mais un peu comme si vous avez plusieurs opportunités, plusieurs options, et vous dansez avec ces opportunités, ces options. Il y a une sorte de valse. J'ai l'impression de voir, de vous voir valser entre avec certaines options que vous avez. Vous vous arrêtez pas forcément, vous vous autorisez un petit peu à aller voir et goûter un peu chaque option pour savoir laquelle vous convient. Je vois une transformation pour vous, hein. Alors, une transformation qui est en train de s'opérer. Je pense, parce que ce que je vois, c'est la fin de la transformation. Je vous vois le collectif du scorpion avec une merveille, mais une magnifique tenue. Comme si, voilà, vous êtes prêts là, ça y est, vous avez terminé votre transformation. Et puis là,
votre cycle de transformation se termine. Donc vous êtes, c'est un peu à l'apogée de quelque chose, mais c'est de vous-même, hein. Ça reste quand même de vous-même par rapport à la tenue que je vois. C'est quand même, c'est vous en fait qui vous retrouvez. Et, il y a une ouverture du cœur, il y a une ouverture des bras en fait de vous-même. Donc, fin de transformation. Et pour certains, oui, avec une entreprise aussi, c'est possible. Avec pour d'autres, avec un partenaire, il y a quelque chose qui s'épanouit. Parce que c'est voilà, vous avez terminé votre cycle et dans ce nouveau cycle, vu que quand quelque chose se termine, il y a tout de suite autre chose derrière. Et cette autre chose, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui épanouit, quelque chose qui est. Alors je ne sais pas quel est ce quelque chose, ça va dépendre à tout à chacun, mais déjà envers vous-même, avec vous-même, c'est un bien-être, c'est un épanouissement que je vois. Ok. Pour certains, c'est l'amour, c'est la famille, pour d'autres, c'est le projet. Pour d'autres, c'est j'ai trouvé mon truc, je suis dans mon truc, je vis ce pourquoi je suis faite. Comme quelque chose, comme une reconnexion avec une vérité, avec votre vérité. Ok. J'ai l'impression que vous surfez sur une vague comme ça. Il y a un truc qui se passe vraiment bien pour vous, printemps 2024. Ouais, on est vraiment dans le printemps 2024 et vous surfez sur cette vague de bien-être, d'épanouissement, d'ascension aussi, de belles expériences. De rencontres aussi. Et là, il y a des rencontres, il y a des retrouvailles, des rencontres, retrouvailles d'âme, retrouvailles peut-être de cette vie-ci, mais aussi beaucoup d'âme. Comme un accord d'âme qui se retrouve. Il y a quelque chose de très fluide comme ça dans l'énergie d'accueil, d'accueillir l'autre et de s'accueillir, mais c'est plutôt. Ouais, c'est ça, mais avec vraiment ce truc de on est ensemble. Il y a des retrouvailles avec l'énergie de solidarité, voilà, de solidarité, ok. Il y a des déménagements pour certains, pour mai. Déménagement, aménagement, je ne sais pas. Quelque chose de plus grand, dans quelque chose de plus sûr. Quelque chose dont on se sent en sécurité. Il y a des voyages aussi pour certaines personnes. Je vois, ou alors voyage. Voyage astro peut-être aussi, mais il y a vraiment des voyages qui sont pertinents, pertinents, changeants. Il y a des voyages qui nourrissent, voilà, c'est des voyages qui nourrissent. Pour certaines personnes, il y a des séparations utiles, vraiment, enfin, on se sépare de quelque chose qui nous faisait un poids. Donc, ce n'est pas des séparations douloureuses, mais c'est des séparations. Ça peut être avec un travail, ça peut être avec un conjoint, une conjointe, ça peut être avec, peu importe. Mais c'est une séparation qui est nécessaire, qui ne fait pas ou plus partie de votre vérité. Et vu que vous transformez, vous changez, vous évoluez, oh, mais avec une telle beauté et grâce que bah, ce qui ne vous convient plus,
Vous mettez plus d'émotionnel, vous savez ce qui est juste pour vous et il y a des séparations. Ouais, ça se sépare. Ça peut être aussi séparation avec une ville, avec un lieu, avec un endroit. Déménagement un peu dans un autre pays. Ouais, il y a une séparation. Là, on est plutôt au mois de juin, juillet. Donc, on rentre dans l'été. Ok. Ouais, je vois comme des paons fiers, beaux. Il y a vraiment une notion très aiguë. Mais très forte. Très forte de satisfaction. Vous avez trouvé quelque chose ou vous avez retrouvé quelque chose en vous ou une personne, je sais pas, mais une satisfaction et oh, vous vivez cet été. Il y a vraiment des changements dans l'été et puis une validation même des autres. Vous êtes reconnu, je vous vois être reconnu par les autres, être validé par les autres. Parce que vous avez opéré tout un changement en vous et que vous avez honoré ce qui est en vous et ce qui parle en vous. L'été 2024, il y a cette notion où les gens, ils vous reconnaissent et vous reconnaissent dans la voie dans laquelle vous vous êtes trouvé ou dans la chose qui vous épanouit. En fait, il y a quelque chose qui vous épanouit tellement que vous acquérez un leadership, une énergie attractive. Plus, plus, plus. Ce qui fait que les gens le voient, les gens s'arrêtent, vous le disent. On sent que vous êtes quelqu'un. Voilà. Il y a cette énergie-là où peut-être les gens vous demandent qui vous êtes parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un. On sent qu'il y a une énergie qui magnétique autour de vous, en fait. Voilà. Très bel été. Très bel été. Il y a également grossesse, plutôt naissance. Naissance d'un projet, naissance d'un enfant, naissance. Ouais. Nouveau départ au mois de septembre, nouveau départ, l'énergie de renouveau, de nouveau, de nouveauté. Septembre, il y a vraiment un truc qui vous pousse. En fait, vous êtes poussé, ouais, vous êtes poussé. Vous arrêtez pas sur vos acquis. Ouais, voilà, j'arrive, je suis en arrivée là, c'est super, je m'arrête là. Non, vous êtes poussé par l'énergie à continuer d'avancer. Et de briller, en fait, il y a vraiment cette notion de vous briller et vous êtes poussé par l'énergie à avancer. Ou plutôt à continuer dans votre lancée. Voilà, à continuer dans votre lancée. En tout cas, septembre, il y a encore autre chose que vous créez, que vous amenez, il y a un renouveau. Quelque chose qui se pose, quelque chose qui s'ancre en vous. Et ça fleurit, hein, ce renouveau, il est béni, il est béni. C'est un truc qui vous apporte une satisfaction, de la richesse. Je vois aussi, oui, de l'abondance, je ne vous l'ai pas dit. Mais oui, excusez-moi, énormément d'abondance de par vos vêtements, on voit qu'il y a un succès, qu'il y a une richesse. De par les vêtements que je vois, que je ressens, l'énergie, ce bien-être, cet apaisement du cœur, cette satisfaction. Je sais pas à quel moment ça va, elle vient, cette richesse, ou dans l'année, mais ce que vous faites en mois de septembre vous apporte encore cette abondance et cette richesse, ce succès en fait. J'ai l'impression que tout ce que vous allez faire, vous le réussirez. Il y a un truc comme ça. Que ce que tu fais,
tu le réussis, mais parce que c'est poussé derrière. Tu le réussis parce que c'est juste. Tu vois? Ok. Focus, hein. Très très focus, c'est un truc qui te passionne, c'est passionné ce que tu fais, ce que vous faites, il y a quelque chose qui fait que vous êtes focus. Peut-être qu'il y a une déconnexion avec c'est pas avec les autres, si d'une certaine manière quand même, avec les autres. Octobre, novembre, il y a une déconnexion avec les autres. Parce qu'il y a un gros focus, pas avec tout le monde, mais il y a moins de sorties, il y a moins de contact avec les autres, juste pour contacter. C'est plutôt très là, si je sors, c'est pour faire ça parce que je dois faire ça, et si je dois voir une personne, c'est pour un genre particulier. Quelque chose comme ça de très carré tout d'un coup. RG, elle chante comme si vous êtes très très focus. Vous laissez plus distraire. Oui, en fait, j'apprends que vous préparez quelque chose. Il y a un projet, en fait, sur lequel vous êtes, fin d'année 2024, qui est super important pour vous. Et vous y attelez grandement. Vous êtes très, très focus. C'est, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, dans ce que je vois, dans ce que je ressens, dans ce qu'on me donne comme information, c'est très focus. J'ai le mot protocolaire qui me vient depuis tout à l'heure. Très protocolaire, peut-être que vous prenez des études ou alors que vous entamez une formation très spécifique, qui est très hard. Et donc, ça demande votre intention, toute votre attention, ou alors une bonne partie de votre attention. On n'a plus le temps de passer du temps avec les autres, avec l'extérieur, parce que c'est important et vous connaissez, reconnaissez l'ampleur de l'importance. Ok. Ouais, vous finissez bien l'année en fait, hein. Vous finissez l'année avec beaucoup d'entrain, de sérieux surtout, et toujours dans cette énergie de passion, passionnée. Bon, j'ai quand même l'impression que pour certaines personnes, vous finissez quand même l'année seule, ou alors reculée en retraite, comme si vous voulez être seule. Parce que pour certaines personnes, le projet est trop important. Enfin voilà quoi, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ok. Oh. Ok, voilà. Excusez-moi. Ok, bon. Ça c'est fait. Ok, on va regarder. On va laisser ça à la. Non, on va prendre ça quand même. On ouvre avec ça et on termine avec ça. Ok, d'accord. Année 2024 pour vous, les scorpions, c'est la force. S'il y a un mot pour vous dans l'énergie de 2024, c'est la force, c'est la puissance, c'est je prends ma place, je prends ma place de souverain, de souveraine. Je prends ma place sur le trône. Il y a une énergie comme ça, avec cette force. Cette force, c'est pas j'y vais en forçant, pas du tout. Cette force tranquille de je suis le courant, je suis l'énergie,
j'y vais. Et c'est un peu ça, en fait, que j'ai vu un peu cette valse au début d'année de j'ai cette possibilité-là, cette possibilité-là, cette possibilité-là. Il y a un peu ce côté de roi, de reine, de je vais choisir ce qui me convient. Mais vous ne forcez pas. C'est avec ce que l'énergie vous apporte, c'est avec ce que la vie vous apporte, c'est avec ce que la vie vous donne. Donc il y a quelque chose qui vous est donné, bah, votre royaume, mais vous avez plusieurs options. Et vous allez choisir l'option qui vous convient. Vous allez essayer celle-ci, celle-ça, la la li, la la la. Et à un moment, vous allez vous poser. Il y a une énergie comme ça de force tranquille. Tu vois, cette force tranquille, je sais, j'ai confiance. Il y a un glow-up dans l'énergie du Scorpion 2024 où là, vous allez prendre votre place. Tu vois, il y a plus ce truc de... comment te dire? De se brider. Non, on vous demande de... Enfin, dans l'énergie 2024, l'énergie qu'il y a, c'est rayonne. Rayonne, beau scorpion. Rayonne ta splendeur, rayonne ton intelligence, rayonne ta sagesse, rayonne ta beauté, rayonne ton sex appeal, rayonne ton énergie sexuelle, rayonne ta passion, rayonne ta création, ta créativité, rayonne. Tu vois, le mot rayonne, il est très important. En fait, c'est la force qui rayonne. Voilà. La force qui rayonne. Et c'est très beau, hein. La carte est très jolie aussi. Force qui rayonne. Il y a aussi une certaine clarté. Même si elle a les yeux fermés, il y a quand même une certaine clarté. T'as pas l'impression que je suis punie, moi, comme ça. Non, mais en plus, je suis vraiment bien. Il y a une certaine clarté, il y a une certaine connexion divine aussi, j'ai l'impression, ou plutôt à son âme, une belle connexion à son âme pour les scorpions. Ouais. Et puis des alliés, j'ai l'impression que vous avez des alliés de son. Je vous ai dit, vous êtes poussés par l'énergie. Et la force, généralement, c'est une femme dans le tarot traditionnel qui prend qui met ses mains dans la gueule du lion. Mais si on regarde bien, elle force pas, le lion, elle est déjà en train de bâiller. Elle n'est pas en train d'arracher la gueule du lion pour lui faire ouvrir la bouche. Non, elle utilise la force qui est déjà là, qui est... Bah, il ouvre la gueule, donc j'ouvre mes mains aussi, tu vois. Et donc j'utilise cette énergie qui est déjà là. Et je l'ai senti quand je préparais votre truc, cette énergie très de... où j'étais poussée. Tu vois, ça se faisait... J'avais prévu d'autres choses. J'avais pas d'attente. Mais j'allais tranquillement et d'un coup, voilà, ça m'a amené là. Et je dis, ah ben oui, c'est vrai. C'est incroyable ce ressenti pendant la préparation de comment ça se passe et ce qui sort dans le tirage, enfin dans le tirage, moi bon, c'est pas un tirage, mais ce qui sort dans la guidance. Voilà. On va regarder la tasse. Allez, go. Ouais, première chose que je vois, souveraineté. Vous vous asseyez sur votre trône, vous prenez votre place, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur. Et vous allez au sommet, les gars. C'est une année, il y a... Je reprends ma place et je... C'est pas je reprends, je prends enfin ma place. Je suis là où je crée un empire. En fait, c'est comme si vous prenez votre place. Et votre place, en fait, votre royaume, votre empire, votre entreprise, votre argent, enfin, comment vous régénérez votre argent. Je ne sais pas si ça va être clair ou pas. Eh bien, ça se fait tout de suite. Ça veut dire qu'une fois que tu prends ta place ou une fois que voilà, tu prends ta place, ça soit par rapport à une entreprise, par rapport à un métier, par rapport à un entrepreneuriat, par rapport
à l'amour. Une fois que tu prends ta place, j'avoue, c'est sur plusieurs domaines, hein. Tout ce qui doit se faire par la suite, il se fait automatiquement. Parce que tu es au bon endroit. Parce que tu es là où tu dois être. Parce que tu es poussé par l'énergie. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Mais c'est merveilleux, hein? Mais c'est merveilleux. Alors, je vous vois vainqueur d'un combat. Quand je dis un combat, c'est peut-être quelque chose que vous luttez. Ça peut être juridique, ça peut être avec soi-même, ça peut être par rapport à nos croyances. Enfin, il y a quelque chose qui est du l'ordre d'un combat pour vous. Où c'est vraiment un combat. Hein. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez, parfois vous prenez le dessus, parfois vous retombez dedans, parfois vous avez l'avantage, l'autre, l'adversaire a l'avantage. Il y a un truc comme ça de combat. Qui stoppe et vous prenez le dessus, mais chapeau bas quoi, mais d'une manière mais tellement glorieuse, c'est incroyable, c'est super. Vous mettez un terme à quelque chose qui vous nuisait d'une certaine manière, ou du moins qui essaie de vous nuire ou qui essaie de vous empêcher d'être qui vous êtes pleinement dans votre authenticité. Et bien sûr, si on met de l'énergie dans un combat, ben c'est l'énergie qui on peut pas mettre ailleurs. Et c'est vrai, quand on met de l'énergie quelque part, ben c'est l'énergie qu'on peut pas mettre ailleurs. Si tu mets de l'énergie à crier, à râler, à t'embrouiller, à te battre avec les gens, bah c'est l'énergie que tu ne pourras pas utiliser pour autre chose. Voilà, tu l'as mis là, tu l'as mis là. Bon, bah, c'est pas grave, mais. Mais voilà. Si je suis là, je suis pas là-bas. Bah, voilà, quoi. C'est la même chose. J'avais regardé un truc sur Insta, je crois. Et c'était Chuck Norris. Et bon, vous connaissez les blagues de John Norris, qui est l'invincible homme incroyable. Et ça disait, quand Chuck Norris dit « Va voir ailleurs si j'y suis », bah il y est. Le truc où c'est pas probable, c'est pas possible. Que quand un policier voyait Chuck Norris en fait en infraction, bah, c'est le policier qui avait une amende. C'est court, mais il y avait plein de trucs comme ça, m'avait fait rire. Ça m'a vraiment fait rire, et surtout la phase de bah, quand Chuck Norris dit va voir ailleurs, si j'y suis, bah il y est. Non. Et en plus, moi j'aime bien dire ça. Si je suis là, je suis pas là-bas. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà. Enfin, voilà. Donc il y a un truc, vous allez au sommet et vous vous débarrassez. Moi, j'ai vraiment cette image-là de vos anciens démons. Et quand je dis démons, hein, je calme, c'est nos croyances, c'est nos peurs aussi, c'est ce qui nous empêche. C'est un peu le combat avec nous-mêmes ou même peut-être nos anciens démons de l'extérieur, des gens, de notre propre famille des ennemis, pseudo-ennemis qui nous empêchent en fait ou un ex ou un coparent qui nous empêche de briller, de rayonner, d'être au bon endroit et qui ferait tout, même une mère ou un père qui pourrait essayer de tout faire pour vous empêcher d'être qui vous êtes en utilisant plusieurs moyens différents. Mais là, c'est plus un combat parce que vous gagnez, vous arrivez enfin à vous débarrasser de tout ça. Parce que dans tous les cas, moi j'aime dire, pour ceux qui me connaissent, que l'extérieur est en miroir avec nous. Donc si on a un ennemi à l'extérieur, ben, c'est qu'on a un ennemi à l'intérieur de nous. Si on a, voilà, l'effet miroir. Et ben vous, voilà, vous lâchez ça. 2024, ça y est, vous brillez au sommet, les gars, au sommet. Hein. Au sommet, c'est super beau. C'est super beau, mais vous avez énormément de mérite parce que vous avez bossé très dur. Très très dur pour beaucoup d'entre vous, enfin, pour les scorpions,
C'est quelque chose que vous n'avez pas acquis facilement. C'est quelque chose que vous avez dû vous battre. Donc cette notion de combat, vous connaissez. Et là, vous lâchez tout ça, vous allez à un autre niveau de conscience aussi. C'est beau! Aïe, 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 aïe. Et donc, il y a des gens qui vous suivent. Il y a un leadership. Je sais pas si j'ai dit ou pas. Je ne me rappelle plus, je crois. Peut-être pas à vous, je sais plus. Il y a un leadership. Il y a un avancée, il y a un avancement, il y a des gens qui vous suivent, vous êtes soutenu par les gens en fait, vous êtes reconnu. Vous sortez d'un endroit où voilà, ça vous plombait, vous êtes en combat. Et là, les gars, 2024, vous allez au sommet. Et parce que vous êtes au sommet, par la suite, on vous voit, on vient vers vous, on vous reconnaît, on vous suit. On vous honore, les gars. On vous honore. Puis ensuite, vous faites ce que vous voulez. Oui, j'ai oublié de dire, il y a de la richesse, hein, il y a de la richesse, il y a de l'abondance. Prenez votre place, je vous ai parlé de royaume. Il y a de la richesse, il y a de l'abondance hein, qui vient pour vous, année 2024. Très stable. C'est pas ce truc, je gagne 15 000, mais je gagne plus rien pendant 6 mois. Non, non, non. C'est ce truc, peut-être, vous gagnez 15 000 tous les mois. J'en sais rien, mais il y a une richesse comme ça. C'est constant. J'ai dit 15 000, mais peut-être que c'est plus, puisque c'est bon. Il n'y a pas écrit 15 000 ici, quoi. Et puis ensuite, ce que je vois, c'est que vous avez le champ des possibles. Vous pouvez faire et être ce que vous voulez. Et quand je dis faire et être ce que vous voulez, c'est vous avez y a une certaine légèreté en fait dans votre année que il suffit juste de faire le premier pas, de faire le bon, le pas, et la porte elle s'ouvre. Donc c'est à vous de choisir quelle est la porte que vous voulez prendre. Mais vous êtes poussé, hein. Vraiment, c'est... Ouais, y a vraiment ce truc où vous êtes... Et peut-être pour certains, ouais, mais... ouais, il y a cette notion aussi d'ouverture de don. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est vous vous connectez à un autre monde. Là, j'ai le nez qui est pris, là, je sais pas pourquoi. À un autre monde. Donc quand je dis à l'autre monde, ça veut dire au monde invisible en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui se fait pour vous. Mais ça vous a, enfin, ça va, en fait, ça va différer pour chaque personne parce que c'est vos dons propres. Mais il y a une notion comme ça avec l'invisible. Mais c'est vos dons propres. Ça ne veut pas dire que pour chacun, ça va être ça. Non, c'est chacun va recevoir à la hauteur et ce qu'il est apte à recevoir. Et en fait, ça vous met dans quelque chose de constant, mais de léger à la fois. Mais de tellement léger. C'est incroyable. Enfin, c'est surprenant. Cette légèreté en fait avec vos dons. Comme si en fait, voilà, ce qui vient, c'est comme si vos dons étaient en attente. Ils étaient en attente, ils étaient en attente. Et ce qu'ils attendaient, c'est que tu prennes ta place. Parce que là, quand tu prends ta place, eh ben, tu peux utiliser tes dons. Avant, tu n'aurais pas su l'utiliser ou tu n'aurais pas su quoi en faire ou peut-être que ça t'aurait fait, je sais pas moi, avec tous ces combats-là. Ça, je sais pas. Je sais pas, mais peut-être. Ça t'aurait fait quelque chose que t'aurais pas voulu ou que ça devait pas se faire. Et en fait, tu prends accès à ces dons une fois que tu es au sommet. Et là, il y a cette légèreté où en fait, tout de suite, tu sais quoi en faire. Tu sais comment le faire. Tu sais comment. Tu connais. J'ai l'impression que tu les connais depuis toujours, finalement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Oh, l'énergie qui a confirmé. Ok.
Bah oui, voilà, intéressant, intéressant, intéressant. Qu'est-ce que j'ai dit à dire? Tout qui a été dit là. Ouais, tout qui a été dit. C'est pas, y a pas autre chose là, je vois pas autre chose. Donc une très 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 belle année en perspective. Souverain, souveraine. On va regarder maintenant. On va dire tes qualités. Non, on va pas regarder tes qualités. On va plutôt regarder tes ressources. Oui, c'est ça. Tes ressources pour l'année 2024. Alors, normalement, c'est une carte. Je ne sais pas pourquoi vous, c'était deux. Hein, mais bon. L'authenticité, les gars. Mais parce que c'est ça. C'est ça. C'est l'authenticité. C'est l'authenticité de prendre sa place, de c'est l'authenticité. Vos ressources, c'est être le plus vrai possible, le plus authentique. Soyez qui vous êtes. Ne soyez pas autre chose que qui vous êtes. Ne cherchez pas à plaire. Ne cherchez pas à... Ah, voilà, là, il y a une énergie, là, je sens. À plaire, les gars. Ne cherchez pas à vous plier pour que les autres vous accueillent ou vous acceptent. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour être authentique pleinement. On se moque de vous. On vous prend pour un fou, pour une folle. On pense que c'est leur problème. Toi, t'es venu ici pour être souveraine, pour vivre des belles choses, pour être pleinement qui tu es, t'accepter, t'accueillir. Comment tu veux vivre? Ou accueillir tes dons, si t'es pas dans ton authenticité, forcément ta ressource est ton authenticité. Plus tu vas être toi-même, pleinement, pas ce que. Enfin, être soi-même, c'est ah ben je vais faire ça parce que comme ça on va m'aimer, ou peut-être que si je fais ça, je vais être plus jeune, ou je sais pas quelle connerie, excusez-moi. Mais toi-même, t'as pas envie, t'as pas envie, t'as envie, t'as envie, tu veux, tu veux, tu veux pas, tu veux pas, c'est comme ça que tu veux le faire, c'est comme ça que tu le fais. C'est tout. Authenticité, c'est votre ressource. Tu veux flirter avec celui-là et avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre pour voir lequel va te convenir le plus. Bah, tu le fais. Tu veux faire la même chose avec elle, avec elle, avec elle. Eh ben, tu le fais. Toujours dans le respect. On respecte. Hein. Toujours. Tout le temps. Il y a du respect. Mais on reste soi. On reste authentique. C'est votre ressource. L'authenticité, c'est votre ressource. Ça veut dire que 2024, ce que votre arme pour 2024, c'est votre authenticité. C'est vous montrer tel que vous êtes, mais aussi vous montrer à vous-même qui vous êtes. Parce que on aime bien se mentir soi-même. Hein. D'ailleurs, c'est ça l'illusion, c'est se mentir soi-même. Mais c'est votre âme, l'authenticité. L'authenticité, c'est sauter à pieds joints si j'ai envie. C'est sortir en pyjama si j'ai envie. C'est ne pas me maquiller si j'ai envie. Je vais dans des trucs comme ça, mais l'authenticité, c'est aussi pas avoir peur d'avoir l'air bête. Parce qu'on ne sait pas quelque chose, qu'on dit qu'on ne sait pas. Authenticité, c'est aussi pouvoir dire non, écoutez les gars, moi c'est pas, ça m'intéresse pas de parler de telle telle personne ou de critiquer telle telle personne. Je préfère passer mon temps à faire d'autres choses. L'authenticité, c'est si les amis vous forcent à boire cul sec parce qu'ils trouvent ça drôle. Mais que tu n'en as pas envie. Parce que toi, tu trouves pas ça drôle. C'est leur dire non, je veux pas. C'est ton authenticité. Ton authenticité, c'est aussi se découvrir toi-même, te découvrir qui tu es. Pas ce qu'on veut faire de toi.
Et quand l'authentique, on est différent, forcément. Quand l'authentique, on n'est pas comme les autres. On ne peut pas être comme les autres. Parce que personne n'est comme personne. Être authentique, c'est être pleinement qui on est, sans avoir peur d'être jugé, montré, rejeté, incompris. Autant qu'on se comprend nous-mêmes. Et puis, vous les scorpions, vous êtes souverain, souveraine en 2024. Et vous ne pouvez pas être comme les autres. C'est pas possible. Surtout pas. Waouh, la deuxième ressource, 41. Imagination. Pardon, je vous ai pas lu. Je suis désolée. Je vous ai pas lu le petit. Et en plus, ils sont sympas, j'aime les lire. Je suis qui je suis. Et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Je suis qui je suis, et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme, authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Je suis qui je suis. Et ce que je suis est en réalité très bien. Je suis maintenant. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Ouh. Ouais, il y a de l'énergie qui descend, je pense que pour tout le monde, donc tous ceux qui accueillent. Accueillir, accueillir, accueillir. Authentique. La deuxième ressource. Parce que vous êtes gâtés, vous les gars. Imagination. Je ne vous ai pas montré la carte. Imagination. J'ai besoin de me boucher. Imagination. Imagination. Non, imagination. Oh, alors, pour moi, ce que je ressens dans votre ressource, l'imagination, c'est d'imaginer, de vous autoriser à, comment on appelle ça, visualiser, voilà. Avec créativité. Ce que vous voulez incarner, ce que vous voulez être. Et en fait, vu que vous êtes poussé par l'énergie, c'est peut-être avec cette ressource-là, où vous disiez dans le GPS où est-ce que vous voulez aller. Et puis parfois, le GPS, ben, c'est lui qui te donne le chemin. Enfin, le GPS divin te donne le chemin, la direction, le lieu. Mais toi, tu peux, dans ta ressource de 2024, c'est visualiser ce que tu aimerais imaginer dans ta vie, rêver. Et c'est comme si tu disais à l'univers, tout en lâchant, sans chercher à contrôler ou vouloir que ça soit ça particulièrement. C'est juste, ok, j'imagine, j'aimerais, je voudrais. Et tu visualises ce que tu aimerais vivre ou comment l'énergie elle te pousse. C'est une force hein, de pouvoir. C'est comme ça qu'on communique avec l'univers, en vibrant ce qu'on veut. Et après, voilà, l'énergie va te pousser là où tu dois aller dans tous les cas. Un chemin, t'as vraiment un chemin qui t'attend, t'as vraiment une destinée. Et pas des moindres, hein, de souverain, souveraine. Ça va, quoi, c'est pas naze. Par contre, cette ressource, cette force, elle peut être à double tranchant quand on fait des scénarios pessimistes, des scénarios un peu où ça se passe pas bien. Alors, essayez
avec conscience, de garder toujours cette foi et ce scénario de l'univers prend soin de moi, l'univers m'emmènera où j'ai besoin d'aller. Et je demande à l'univers de m'y emmener, parce que dans tous les cas, vous êtes poussé, vous, par l'énergie. Donc, vraiment avoir cette foi et de visualiser, c'est une ressource, je trouve, qui est super par rapport à ce que vous avez dans votre année 2024. Parce que c'est comme si, bah voilà, vous pouvez donner votre petit mot à l'énergie, au GPS divin, et leur dire, excusez-moi, moi j'ai envie d'imaginer ça. Et en fait, dans votre imagination, vous allez avoir des informations en hypnose. En fait, j'ai oublié le protocole, comment il s'appelle. Mais on fait le pont vers le futur. Le pont vers le futur, c'est une porte en fait qu'on ouvre pendant la séance d'hypnose pour que la personne puisse, voilà, moi je veux ça dans le futur, et demander à l'inconscient, au collectif, à l'inconscient, de comment ça se passerait si j'ai ça dans le futur. Et la personne, elle va ressentir, elle va visualiser ça. Et on va dire, ouais, non, en fait, il manquerait ça, j'aurais besoin de ça, j'ai pas pensé à ci. Et en fait, le fait de visualiser nous apporte des informations, mais en plus, ça nous permet aussi d'acter dans l'énergie avec l'univers de, là, je veux ça. Et puis, si tu dois l'avoir, tu l'as. Mais c'est une super grande ressource. Si elle vient pour toi, c'est que tu as cette capacité un peu, ou cette autorisation divine, de pouvoir contribuer avec le plan divin, enfin avec ton plan divin. Et ces fameuses petites phrases que j'aime bien. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. On va parler ensemble avec mes guides et nous. L'imagination me libère, vous qui êtes divin. Vous qui êtes divin, on parle de l'imagination ou on parle des êtres divins? Ok, des êtres divins. Mais c'était pas clair, hein. Moi, je pensais qu'on parlait d'imagination qui était divine. Et l'imagination est divine. Donc, imaginer sa liberté peut créer sa liberté. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Accueillez et recevez les énergies qui en découlent. Petite info supplémentaire. Ça peut aussi pas mal parler pour les artistes. L'imagination, c'est une ressource que vous avez, qui est pas mal aussi. Pour les artistes. Voilà. Dans tout genre, hein, artistes, peinture, danse, chant, il y a l'imagination est une ressource importante. Faut la prendre dans tous les sens du terme. Là, j'ai pas tout bien compris, pour être honnête, pourquoi elle vous libère, pourquoi l'imagination me libère maintenant. Ah, peut-être que vous avez une libération cette année. Ben oui. Et ben, ok, voilà, j'ai le truc. Oui, effectivement, vous êtes dans un combat, vous, le scorpion, enfin l'énergie du scorpion, dans un combat, et vous lâchez un combat. Donc forcément, oui, il y a une libération. Et votre art, votre source, vous pouvez imaginer aussi cette libération d'être totalement libre de ce combat, de ces conflits intérieurs, extérieurs, peu importe, mais de upgrimper là, de upgrupper là, je sais pas comment on dit.
vers quelque chose qui vous libère, vers votre libération. Il y a libération, bah oui, j'avais oublié, merci. Merci infiniment. Bah écoutez, je crois que j'ai... Ouais, je crois que c'est fini là. En tout cas, c'est une belle année en perspective. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour qui vous êtes, pour le travail que vous faites sur vous et donc sur l'inconscient collectif également. Brillez, rayonnez, soyez pleinement qui vous êtes. Imaginez pleinement ce que vous voulez être. Et soyez fiers de montrer la lumière que vous êtes. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin d'année. D'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, que ce que vos cœurs désirent se manifeste et que vous puissiez être pleinement dans votre vérité, dans votre authenticité, dans votre lumière, que vous puissiez prendre la place que vous méritez, qui vous est juste, et que vous puissiez savourer et voir cette année et chaque pas sur ce chemin de liberté que vous entreprenez. Je vous souhaite d'être béni et que vous puissiez rayonner pleinement qui vous êtes. Votre amour, votre lumière, votre sagesse, vous êtes des passionnés. Et forcément, vous avez quelque chose à nous apporter tous. Et on a tous quelque chose à s'apporter. Alors, je vous remercie infiniment pour vos contributions. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre amour. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024. Soyez bénis.